salut à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère que chez vous aussi, vous êtes bien installés. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la poule guitare, Omar Da Fonseca. Et nous allons vous commenter cette rencontre. Et on est avec vous pour vous faire vivre ce match captivant. Eken contre Tranmere Rovers. Et voilà, on y est. Quel plaisir de nous retrouver ici. J'ai hâte d'assister au coup d'envoi et de voir ce que nous réserve ce match. On connaît leur capacité à presser leurs adversaires. Leur pression ressemble à une meute de loups affamés autour du ballon. Mais une meute bien organisée. Oui, bien organisée, parfaitement synchronisée. Quand l'intelligence collective s'exprime parfaitement, c'est magnifique à regarder. Et un œil sur les 11 titulaires de cette équipe. Rapidité, endurance, organisation. Ce 4-4-2 à plat, c'est un classique, mais c'est indémodable dans le football. Et donc début de cette première période. Aïdara. Mais la grosse intervention là. Nous sommes installés dans le camp adverse. Peut-être une bonne occasion à venir. Et pourquoi pas ici. Le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Et finalement, ça ne donne rien. Attention à ce pressing très haut. Ah, dommage, ballon perdu. Facile, ça passe. Oh, c'est un bon ballon, ça. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. Bien frappé ce corner. Ah, dommage parce que ça atterrit directement dans les pieds de la défense. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ah, il faut l'aider maintenant. Et non, ballon récupéré par l'adversaire. Et le ballon dégagé hors du terrain. C'est donc une touche. À la réception. Un ballon récupéré, c'est bien défendu. Ouais, bien joué ça. La projection dans le camp de l'adversaire. Ah, la bonne frappe. Et bien tenté, bien essayé, mais c'est une frappe pour le gardien. Et bien fait, attention à l'occasion. Et le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Et finalement, pas de danger.
Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Oui, bon geste défensif et le ballon sort en corner. Le corner. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Attention la frappe. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Tu récupères le ballon très haut, tu peux de suite à te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Oui, sans faute, c'est récupéré. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Voilà la pénalty, l'arbitre qui signale le point de pénalty. Ah, déjà que ça se passait pas très bien dans ce match. L'arbitre sort le carton jaune en plus du pénalty, évidemment. Ça vous semble sévère? Je n'ai pas à trouver ça sévère ou pas. C'est l'arbitre. On ne discute pas des décisions de l'arbitre. Et c'est sauvé par le gardien. Le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Et oui, le tir! Une belle occasion, mais pas de deuxième but d'avance. Ce match est très loin d'être terminé. Effectivement, il va falloir rapidement plier le match pour éviter les catastrophes. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Et c'est une frappe! Et l'arbitre indique le corner, il y a clairement la place pour marquer un autre but. L'équipe essaye un corner à deux. Ah, la prise d'information pour amorcer une attaque. C'est contré sans problème. Mais ça sort, nouvelle chance. À deux, pourquoi pas, il faut essayer. Et c'est pour le gardien, sans trop de difficultés. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Bien défendu, le ballon récupéré. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match.
Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. Aïdara, le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Ah oui, c'est bien fait, c'est intelligent. Pour aller provoquer dans l'axe. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Allez, c'était assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. Et la passe en profondeur. Oui, très bon timing sur cette passe. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien. Il y avait vraiment mieux à faire quand même. Oh, le ballon intéressant. Et c'est pas fini. Et c'est au fond des filets. L'égalisation. Et voilà donc ce match relancé. À la suite d'une grosse pression. Finalement, le ballon est bien défendu et puis arrive à son but de manière un peu inespérée, il faut le dire. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Rien de très difficile sur cet arrêt. Une occasion de contre à négocier. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Ah, une occasion en or. Ah, l'intervention décisive qui permet de soulager la défense. Ah, le porteur est sous pression. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et le staff décide donc de faire un changement. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Le ballon pour Steng. Alors l'arbitre siffle la faute et attention quand même au carton. Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute, c'est mérité. Très bonne décision. Absolument. Et ça part bien, direct sur le deuxième poteau. Ballon perdu, c'est rendu même.
Ah, il faut bien négocier ce ballon. Séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Eh ballon récupéré sur cette bonne intervention. Un bon contre à jouer peut-être. Ah, le ballon est perdu. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Un manque de lucidité sur cette transmission. Le temps passe, le chrono tourne, l'équipe doit tout donner pour aller marquer le but décisif. Un ballon renvoyé, l'action continue. C'est boxé par le gardien. Évidemment que l'arbitre a vu la faute, c'est donc un coup franc. Changement donc, et des deux côtés. Ouais, bonne intervention là. Ouais, bien donné en profondeur. Ouais, il s'empare du ballon. Et but ! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. On le revoit, un but dans les arrêts de jeu qui change tout et pourrait bien être synonyme de victoire. Quelle finale! Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Le quatrième arbitre lève son panneau et ce sera 3 minutes supplémentaires. Peut-être un nouveau but sur ce corner, ça serait une manière de plier définitivement le match. C'est joué court. Et c'est donc là-dessus que l'arbitre siffle la fin de cette rencontre avec un mauvais résultat pour l'équipe en déplacement. Ce but concédé dans les derniers instants leur a fait mal. C'est une défaite qui va laisser des traces.